Ali Mahmoud Jar. Tu te souviens d'eux? Mais oui, j'en suis sûr. Réveille-toi. Il a fallu un an, mais ils y sont arrivés. Il est en prison à Londres. Il est pour toi. Mais je t'en fais cadeau. Il faut l'éliminer, James. Il est encore à l'isolement pour l'instant, mais dans 48 heures, les services secrets anglais vont commencer à l'interroger. Et c'est pour ça que je suis là. Niez tout, si la mission échoue, vous êtes déjà mort. Il paraît que t'es monté en grade. C'est pour ça que tu préfères éviter de te salir les mains. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis sa regrettable évasion, 3 attentats ont été attribués à son groupe de salopards. Le métro de Belgrade, le quart de touristes au Pakistan et la caserne américaine en Irak. C'est-à-dire plus de 200 victimes. Ces morts-là auraient pu être évitées, tu le sais comme moi. Tu veux qu'il continue à planifier des carnages depuis sa prison? Sans parler du scandale qui va éclater quand ils vont découvrir que nous avons financé son entraînement en Arabie Saoudite. Ce qu'on veut, c'est que tu l'élimines et que tu disparaisses discrètement. Je t'ai apporté 2 passeports. Un pour entrer, un pour sortir. Ton contact à Londres sera Terry Winchell. C'est un mec fiable. J'ai déjà fait appel à lui. Tu dois respecter le protocole habituel. Chaque seconde compte. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Je connais la musique. Avec vous, c'est toujours la même histoire. Prenez la file d'attente, s'il vous plaît. Monsieur David Alan Raynor, qui va emprunter un vol à destination de Luxor, est prié de se présenter au plus vite à la porte numéro 52. Ah, salut. Winchell? Oui, c'est moi. Je tiens à vous dire que je suis honoré de vous rencontrer. J'ai entendu tellement d'histoires fantastiques sur vous. Ah, pardon, je vais m'occuper de votre valise. On prend quelle sortie? Quelle sortie? Ça, c'est une excellente question. Eh ben, celle-là. Le vol a été agréable? Bienvenue à Londres. Mademoiselle, excusez-nous pour le ciel gris. La voiture. À vos ordres, c'est vous le patron. On peut y aller. J'ai besoin de ces trucs avant mon départ. D'accord, ce sera pas difficile à trouver. Ah oui, je peux avoir l'adresse de la planque si jamais on était séparés. Elephant and Castle, c'est le nom du quartier. La planque est au 1212 rue Stetton. Tenez, c'est une adresse facile à mémoriser. Il y a un nom sur la porte de l'appartement, Whitney. Et si vous avez un gros imprévu, vous pouvez aller à l'imprimerie Belois. C'est un copain, il est très sympa. Ça m'étonnerait pas qu'on déclenche une sacrée panique.
Si jamais on traîne une seconde de trop, on va y passer tous les deux. C'est l'heure d'aller faire dodo. C'est l'heure d'aller faire dodo. Allô ? Notre ami est arrivé ? Oui, oui, on est prêt. Oui. Comment va-t-il ? Très bien. Aucun problème particulier. S'il y a un souci, vous m'appelez. Oui, monsieur, bien sûr. Je suis joignable en permanence. C'est bon à savoir. Bonne chance. Je vous remercie. Au revoir. Qui c'était ? Je parlais avec notre vénéré seigneur et maître. Vous voulez dire que vous avez enregistré Collins ? Oh, n'en faites pas toute une histoire. C'est juste par précaution. J'ai plus confiance en personne. C'est de la paranoïa ? Non, c'est une assurance. J'ai plein d'enregistrements comme ça, là où on ira se planquer. Je vous en ferai volontiers écouter quelques-uns, mais faut vraiment avoir envie de rigoler. Les journalistes ont senti la chair fraîche. Ça va bientôt être à vous de jouer. Je vais voir mon avocat. Salam alaikum. Alaikum salam. Terry, va chercher la voiture. Il est trop tard maintenant, c'est foutu, je me casse. Terry, fais ce que je te dis. La voiture. Je vous rassure, tout est arrangé, nous allons vous sortir de là très rapidement. Ah!
Donnez-moi une pièce. Eh, ouais, cap. Ok, tous les accès. Pourquoi c'est la panique? Tenez-vous face à moi. Tirez vos lunettes. Bien entendu, retirez vos lunettes. Là, comme ça. Vous quatre, vérifiez la nef. Nous, on monte dans le pied. Ouais, qu'est-ce qu'il fout? Je me suis fait contrôler par deux crétins. Raconte pas ta vie et démarre. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour. Vous savez où est l'inspecteur Ballard? Elle est descendue dans la station de métro, monsieur. Les images de télésurveillance sont disponibles. Cromston ? Oui, j'arrive. Tu peux apporter les photos ? Oui, je vais les chercher, je reviens. Tu sais, papa, j'ai pas envie de te faire concurrence. C'est une autre chose. En tout cas, téléphone à ta mère pour lui dire si tu viens prendre le thé dimanche.
l'université. Commence tout de suite à faire tes devoirs, compris? Oui, j'ai compris. Bonjour, monsieur Whitney. On a une belle journée pour une fois. C'est des photos. Oui, monsieur. Le chauffeur de taxi avait été repéré tout près du palais de justice. Il se faisait sûrement passer pour un journaliste. Et on est certain qu'il y avait un passager dans le taxi. Les caméras devraient nous fournir des images utilisables, mais c'est pas encore sûr. Si, je comprends bien, on est certain qu'ils étaient deux. On n'en a qu'un seul pour l'instant. Bingo! Bingo! Petit chat! Excusez-moi d'être entrée, je cherche mon chat. Il est tout blanc et il a deux pattes marron. Je vous ai jamais vu ici, vous êtes qui? Je suis un ami. De Monsieur Whitney. Je connais Monsieur Whitney, je l'aime bien. Vous êtes blessé, qu'est-ce que vous vous êtes fait? Laissez-moi regarder. Je sais pas ce que vous avez, mais ça a l'air grave. Je crois que vous avez besoin d'un docteur. Non, c'est rien. Ça va aller, c'est pas grave, je te dis. Non, non, non. Vous avez besoin d'aide, je vois bien. Hé, hey, hey. Si jamais je vois ton chat, je le garderai. Jusqu'à ton retour. Vous inquiétez pas, j'ai même pas de chat. Ce serait dans l'intérêt des relations entre nos deux pays. Merci, jeune homme. Jeremy Collins. Andrew Windsor, enchanté. Asseyons-nous, chers amis. Il s'agit d'un assassin particulièrement dangereux, comme vous le savez. Nous avons donc lancé une traque internationale. Il est important que M. Collins soit tenu informé de la progression de notre enquête au fur et à mesure. Oui, je vous serais reconnaissant de nous apporter votre aide, monsieur le commissaire. Je parle pour l'ensemble de mon ministère. Oui, et je suis ici pour relayer les ordres que monsieur Collins pourrait avoir à vous donner. Vous devrez donc considérer que ce sont des ordres qui émanent du gouvernement anglais. Je ne suis pas certain de... Merci, merci, vous pouvez disposer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Sir Anthony? Permettez-moi d'avouer que je suis perplexe. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris, je vais essayer de le formuler dans des termes plus simples et plus explicatifs. Je tiens à vous signaler que j'ai 38 policiers qui enquêtent sur cette affaire, ainsi que 4 équipes de spécialistes dans nos laboratoires. Je suis supposé leur annoncer qu'ils travaillent maintenant sous les ordres de M. Collins. Non.
Je préfère que vous soyez le plus discret possible à mon sujet. Il s'agit d'une affaire extrêmement délicate. Vous travaillez pour quel ministère déjà? J'ai oublié. Celui de la justice, commissaire. Le ministère de la justice? De la justice américaine. Ah. Ma préoccupation, c'est de réussir à identifier le tueur. Mon gouvernement tient à ce que je l'appréhende dans les plus brefs délais. Vous le prenez pas mal, monsieur Collins, mais si nous mettons la main sur l'individu auquel vous faites allusion, nous nous réserverons le privilège de l'interroger. L'enquête est placée sous ma juridiction. Il semblerait que nous ayons, vous et moi, quelques problèmes de communication. Alors je vais mettre les choses au point avec tout le respect que je vous dois. Quand vous aurez trouvé le tueur, vous serez dans l'obligation d'en aviser immédiatement mon service. J'avais pourtant l'impression d'avoir été très clair. Je suis sûr que nous pourrons trouver un compromis. Dans le cadre d'une coopération amicale. Voilà. Oui, eh bien, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses, monsieur Collins, maintenant que nous sommes amis. Je suis sûr que vous avez des questions à me poser. C'est vrai, aujourd'hui, vos services ont diffusé une photo du chauffeur dans les médias. Vous avez une photo du deuxième suspect? Oui, mais une seule. Elle est inutilisable pour le moment, mais nos spécialistes vont remédier à ce problème. Très bien. J'ai besoin de voir les bandes de toutes les caméras de surveillance. Vous les aurez. Il me les faut maintenant. Très bien. Je vais m'en occuper. Je vous apporte un sandwich et des gâteaux. Emily Day. Je t'ai entendu parler avec quelqu'un tout à l'heure. C'était qui? Oh oui, c'était juste ma grand-mère. Vous inquiétez pas, elle est cinglée, mais elle est sympa. Et tes parents, ils vivent pas ici? C'est des hippies, ils font de l'humanitaire. Ah. Ils sont partis en mission en Amérique du Sud. Ils vont aller dans plusieurs pays. Mais ils seront de retour à Noël. Je vais aller vous chercher des bandages. Mais venons-en à la principale information. L'enquête de Scotland Yard a nettement progressé au sujet de la voiture qui a explosé dans un escalier du métro de Londres. L'homme qui était au volant du véhicule a été identifié grâce au travail des experts. Il s'appelait Terry Mitchell. Selon les enquêteurs, Mitchell venait de participer à l'assassinat de l'activiste qui devait être jugé pour terrorisme, Ali Mahmoud Jahar. Le complice de Mitchell n'a pas encore été retrouvé. La police fait appel aux témoignages de toutes les personnes qui se trouvaient sur les lieux pour les aider à établir l'identité. C'est toi, mamie. Mais où cours-tu comme ça? Pourquoi tu es si pressée? Tout va bien? Oui, ça va, c'est juste que la vieille madame Jenkins vient de téléphoner. Elle voudrait que je lui fasse la lecture de Jane Eyre. La lecture de Jane Eyre. J'ai dit à ma grand-mère que j'allais lire Jane Eyre à une vieille dame qui vit au bout de la rue. Et si elle s'aperçoit que t'es venue me voir? Ça risque pas d'arriver. Je suis très douée pour lui mentir. J'arrive à lui faire croire n'importe quoi, la pauvre. Quand il venait, je discutais un peu avec Monsieur Whitney. Il était toujours très gentil avec moi. Et votre blessure, comment ça va? Écoute, j'ai besoin de me reposer un peu. Je suis contente que vous soyez ici. Même si je sais pas qui vous êtes.
prends personne. Je suis contente que vous soyez ici. Je suis contente que vous soyez ici. Besoin d'aide. Je vois bien. Besoin d'aide. Respectez le protocole actuel. Non, c'est une assurance. Tu dois respecter le protocole habituel de la voiture. Non, c'est une assurance. A beauty that's dangerous. Suggestive and aloof, you keep me on my toes. Your honesty goes right to the heart of... Arrête de mettre cette horrible musique dès le matin, s'il te plaît. T'es une sale gamine. Bon, je m'en vais, dépêche-toi. Tu vas être en retard à l'école. Oh. L'équipe scientifique vient de nous envoyer cet indice. Ils ont entièrement démonté le taxi et tout ce qu'ils ont trouvé, c'est ce bout de papier coincé sous le plancher. On reconnaît tout de suite le menu d'un restaurant. On peut savoir lequel c'est ? Oui, le logo nous a mené à un restaurant du sud de Londres, dans le quartier Elephant and Castle. Ça vaut le coup de suivre cette piste. Emportez une photo du suspect avec vous. D'accord, je pars là-bas tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. C'est pour une déclaration. Vous devez dépasser, monsieur. Non, c'est ici, parfait. Quoi ? Laissez-moi entrer. Du café, je peux aller vous en chercher. Pourquoi t'es pas à l'école ? Si vous voulez vraiment le savoir, j'ai décidé de sécher. J'ai aucune envie d'y aller aujourd'hui. Et je vous ai apporté quelque chose d'utile. Ah oui ? Quoi ? Devinez ce que c'est. Laisse tomber, j'ai pas la tête à ça. Essayez de deviner. Je n'en ai pas la moindre idée. Arrête de jouer et dis-moi ce que t'as apporté. C'est quelque chose qui doit vous manquer. Je sais pas, une paire de bottes ? Ou peut-être une poêle à frire. Non, j'ai deviné, un aspirateur. Ou bien une grosse dame qui se balade les fesses nues, qui a 6 orteils et une faiblesse pour le chocolat. Comment tu veux que je devine ? Une brosse à dents et du dentifrice. On les a envoyés au contrôle des frontières, aux aéroports et aux ports maritimes. Tout le monde est en état d'alerte. Arrangez-vous pour que les journalistes nous laissent travailler. Compris, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'on fait avec Collins, l'Américain qui nous surveille ? Ne donnez pas la moindre information à ce salopard. Il attendra. Chef, on a un appel de l'agent 5277. James ? Tu sais que Terry est mort ? Oui, ça lui apprendra à faire le guignol. Grâce à lui, tu es chouchou de la presse et de la télé. Où tu es ? James ? Je vais te rapatrier. James ? Fini de jouer, Collins. Non, attends. Donne-moi 40 minutes et je vais... Il va essayer de foutre le camp. Je vous souhaite bon voyage, monsieur Murphy. Inspecteur Ballard. Non, n'intervenez pas surtout. Attendez-nous. Passager suivant, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Je les reconnais.
Levez les bras, s'il vous plaît. Oui, oui, comptez sur nous. Vous n'avez rien sous votre veste, monsieur ? Vous pouvez repasser sous le portillon, monsieur. Retirez votre ceinture et vos chaussures, s'il vous plaît. Merci bien. C'est bon. Merci, monsieur. Demandez John Murphy au téléphone. Bien sûr. Cet appel concerne Monsieur John Murphy. John Murphy est prié de décrocher le téléphone blanc destiné aux voyageurs. Merci. On doit laisser les Américains diriger les opérations sur cette affaire. J'en ai rien à foutre. Je vais au poste de sécurité. Très bien. Le suspect a été localisé. Oui, mais nous avons l'ordre de ne pas intervenir. Vous commencez à me taper sur les nerfs comme ça. Où est-il ? Il a été repéré dans la zone des bagages, monsieur. Je vous remercie. Et là, attendez. Sinon je tire. Ne faites pas le moindre geste. Je vous arrête. Je suis le commissaire Andrew Windsor de Scotland Yard. Tout le secteur est sous la surveillance de policiers armés jusqu'aux dents. Alors je vous conseille vivement de commencer tout de suite à me faire des confidences. Je suis américain et je m'appelle James Jackson Dial. Je suis agent secret. J'ai le matricule 5277. J'ai suivi mon entraînement à Quantico, élimination des cibles désignées. Je suis dans une unité qui n'a pas d'existence officielle. Firezone. Mon supérieur direct est Jeremy Collins. Vous avez dit Collins.
passe? Pourquoi il est noir, cet écran de contrôle? Je vais rétablir l'éclairage. Zoom avant. Inspecteur Ballard, venez voir. Qu'est-ce qu'on fait? Inspecteur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, de l'huile, des raviolis, de la sauce tomate, de la farine. Non, il faut nous livrer tout ça demain avant midi. Je vais perdre tes clients sinon. Le Congrès américain enquête sur les exécuteurs de la CIA. Non, pas de boîte de sardines, c'est invendable. Du thon, rien que du thon. Annette, il y a du nouveau dans l'enquête. On a vérifié la piste qui mène au quartier Elephant and Castle. Le propriétaire du restaurant indien a identifié le suspect sur la photo. C'est quelqu'un qui vit dans le quartier. Il nous a même donné son nom. Le type s'appelle Whitney. Surtout, tu ne dis rien à l'Américain. Vous étiez parti où? Un bal costumé. Ça sert à rien de mentir à une menteuse. Vous avez fichu un de ces bazars? Je suppose que vous cherchez quelque chose? Oui, Emily. Malheureusement, ce que je cherche n'est pas ici. Monsieur, vous devriez venir voir. L'appartement est sécurisé, mais le suspect a pris la fuite juste avant notre arrivée. Je veux qu'on fouille tous les appartements. Il est encore dans l'immeuble, j'en suis sûre. Oui, t'as raison.
fuyez votre appartement. Je vais vous cacher. Va la rejoindre. Du calme, madame. Merci. Faites attention. Emmenez-la dehors. Viens par ici, monsieur. Va vite rejoindre la dame dans le salon. Ouvrez. Entrez. Personne ici, sergent. Personne ici. L'appartement est sécurisé. Venez, je vais vous cacher ailleurs. Maintenant, tu es flic. Félicitations. Avec tout mon amour, papa. Je viens de parler avec le bureau de Washington, chef. Le Congrès a lancé ses auditions sur le dysfonctionnement des services de renseignement. Vous êtes convoqué devant la commission d'enquête. Quand ? Dans 3 jours. Il faut qu'on le neutralise avant qu'il se fasse alpaguer par les flics de Londres. On le connaît bien, mettra moins de temps à le trouver. Absentéisme scolaire. Un jeune couple meurt dans un accident de voiture. Monsieur, j'ai quelque chose à vous montrer. Ce matin, Scotland Yard nous a fait parvenir une photographie de l'homme soupçonné d'avoir participé à l'exécution d'Ali Mahmoud Chahar et au meurtre du commissaire divisionnaire Andrew Windsor. Les autorités rappellent à la population que le suspect est armé et particulièrement dangereux. Si vous le reconnaissez, ne tentez surtout pas de l'appréhender. Contactez le numéro affiché sur cet écran. Je n'ai pas tué ce policier. Je sais que c'est pas vous. Vous auriez du mal à mentir à une menteuse comme moi. Tu as raison, je préfère même pas essayer. Vous allez faire quoi maintenant ?
faut que je trouve une sortie de secours. Et vite. Avant lundi, c'est possible? Oui, mais seulement parce que c'est vous. Merci beaucoup, monsieur Benoît. Viens, j'ai fini. On s'en va. Bonjour. Je peux vous aider, monsieur? Vous pouvez m'aider de la même façon que vous avez aidé certains de mes amis. Notamment celui qui m'a donné votre adresse. Je vous demande pardon. Terry Winchell. J'ai besoin d'un passeport. Allez vous renseigner à la mairie, au bureau des passeports. Moi, j'imprime des invitations, des faire-part de mariage ou de naissance, des cartes de visite. La moitié maintenant, l'autre moitié à la livraison. Demain, à 3h d'après-midi. C'est trop tard, il va falloir activer. J'en ai besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible. Tout est toujours possible. Le gouvernement va devoir prendre position au sujet des logements de fonction attribués au ministre, étant donné que l'opposition s'est engagée à les supprimer. Dès qu'elle arrivera au pouvoir. Merci beaucoup, Sidney. Une information importante au sujet de l'enquête sur le meurtre du commissaire Andrew Windsor. Scotland Yard offre une récompense de 20 000 livres pour toute information qui pourrait conduire à l'arrestation de l'homme que vous voyez sur cette photo. C'est le principal suspect. On s'inquiète pour toi, Ned. Tu tiendras le coup? Oui, ça va aller. T'as un sacré courage. Oui, Ballard. D'où il sort, ce Belois? Mon père mettait souvent cet imperméable pour aller travailler. Je fais bonne impression avec ça, il disait. Pourquoi tu parles de ton père au passé? C'était avant qu'il commence à voyager partout dans le monde? Ouais, c'est ça. C'était avant qu'il commence à voyager avec ma mère. J'ai vu l'article de journal sur leur mort, Emily. Je vis en pleine nature au milieu des montagnes. Et j'ai un cheval extraordinaire. Jamais j'ai vu un animal aussi têtu. Impossible de le dresser. Je suis sûr qu'il te plairait. Votre cheval s'appelle comment? Il s'appelle Beauty. C'est un nom qu'il faut mériter. Tu serais étonné. J'ai connu beaucoup de chevaux dans ma vie, mais je t'assure que celui-là a un sacré caractère. Si vos problèmes s'arrangent, je pourrais peut-être venir le voir. Peut-être.
Ça va? Ouais. Il est temps d'y aller. Je sais comment on va faire. J'entre dans le magasin la première et je vérifie que tout va bien. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je vais vérifier que c'est pas un piège, comme dans les séries policières à la télé. Non. Pourquoi? C'est hors de question. Ils sauront pas que je vous connais. Écoute, quand je dis non, c'est non. Mais arrêtez, pourquoi vous voulez pas? Quand je sortirai du magasin, si je viens pas vers vous, ça voudra dire que tout est normal. Mais si je me dirige vers vous, eh ben, ça voudra dire qu'il y a des flics à l'intérieur. Attends, Émilie, Émilie! Si je viens vers vous en sortant du magasin, figez le camp en vitesse. C'est vraiment parce que j'ai récupéré mon loyer. T'en sers jamais? Les gars, près du stade. Ouais, mais quand même, j'aime bien. Monsieur Belois, une fois imprimé, je suis sûre que ce sera très bien. Faites-moi confiance. Et puis de toute façon, c'est moi qui me marie, pas vous. Alors c'est moi qui choisis la couleur. Vous êtes sûre que ça vous plaira? Et oui, c'est très beau et puis très original comme invitation. Il faut simplement changer la date. Où allez-vous? Je peux vous aider, jeune fille? Je vais y arriver toute seule, je vais faire des photocopies. Oui, mais c'est des imprimantes ici. On n'a pas de photocopieuse, je regrette. Alors tant pis. Là. Je suis là parce que cette opération n'a pas été autorisée. Il est dans ma ligne de mire. J'ai des informations parfaitement fiables. De toute façon, vous n'allez pas nous empêcher de faire le flic cale de mes fesses. Mais que 10 secondes. Rappelez vos hommes. Vous entendez ce que je vous dis, inspecteur Ballard? Je répète, la cible s'éloigne. Intervenez, intervenez! Se dirige vers le nord en direction du marché. Tiens! Il prend à gauche, dans la rue Cannes.
Ne tirez pas, je répète, ne tirez pas. Restez en position, Alex. Vite, par ici. Ne tirez pas sur le suspect, je répète, ne tirez pas sur le suspect. Allez par là, vite. La cible a disparu de mon champ de vision. À nous échapper. On viendra vous voir pour faire le point dès notre retour au bureau. Monsieur Collins, moi j'ai de bonnes raisons de vouloir arrêter cet assassin. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il vous intéresse tant. Il s'agit de la sécurité des États-Unis, inspecteur. Les bombes de télésurveillance sont utilisables? Elles sont toujours au laboratoire. Est-ce que oui ou non quelqu'un veut bien m'aider à faire avancer cette enquête? J'aurais dit d'accélérer. Je compte sur toi pour me tenir au courant. Je te préviens dès qu'il y a du nouveau. Émilie, te voilà enfin. J'étais horriblement inquiète. Excuse-moi, mamie. Viens t'asseoir près de moi, j'ai besoin de te parler. Je suis fatiguée, ça peut attendre demain. Fais un effort, s'il te plaît. Je sais que... toutes les deux, on a parfois du mal à s'entendre, Émilie. Je te jure que c'est pas ta faute, mamie. C'est très dur pour toi, je le sais. Oui, ce n'est pas naturel pour une enfant de vivre avec quelqu'un d'aussi âgé. Et je dois bien reconnaître que mon instinct maternel n'est plus aussi fort qu'il l'a été. Tu te débrouilles très bien. Je suis sincère. La sincérité n'est pas vraiment ton point fort, d'après ce que j'ai compris. Il me manque tous les deux, à moi aussi. Un petit peu heureuse quand même, toutes les deux. Reste comme ça près de moi. J'ai cru que vous étiez mort. Mais non. La police vous attendait dans le magasin. Oui, c'était un piège.
J'ai vraiment l'impression que tout le monde essaie de vous tuer. La situation est devenue un peu compliquée. Un peu compliquée, c'est rien de le dire. Je vais être obligé de me livrer à la police. Mais vous irez en prison, alors? Possible. Et qu'est-ce qui va arriver à Beauty? Mon cheval? T'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Je voudrais aller dans votre ranch. Vous m'apprendrez à monter à cheval. Je resterai juste quelques jours. Non, je vous jure que je vous laisserai tranquille. Sois gentil, n'insiste pas. Tu dois comprendre. C'est l'heure d'aller faire dodo. C'est l'heure d'aller faire dodo. Dis-moi, depuis quand tu as cet ordinateur? Pas longtemps, quelqu'un me l'a donné. Ce serait pas un cadeau de ton voisin, monsieur Whitney? Oui, c'est lui, comment vous le savez? L'intuition. C'est l'heure d'aller faire dodo. J'ai toujours pas le résultat de leur recherche. L'enquête n'a pas du tout avancé. On a quand même rassemblé quelques éléments. Et le médecin légiste, il a terminé son rapport? Non, j'attends toujours. Plus que deux jours avant la convocation, chef. Pour le moment, vous pouvez pas faire grand-chose. J'en ai marre de ces branquignoles. Qu'ils aillent tous se faire foutre. On n'a pas beaucoup d'importance pour eux, tu sais. Ils nous traitent comme de simples soldats sur un champ de bataille clandestin. Et il sait aussi bien que moi. Il faut les combattre avec leurs propres armes. Nos supérieurs devraient nous considérer comme des héros, toi, moi, James Dial. Ils font le contraire, ils préfèrent nous humilier. C'est quand même incroyable qu'on soit obligé de se cacher comme des criminels. Alors que toute la planète est à feu et à sang. En tout cas, on a réussi à mettre Scotland Yard sur écoute. Avait essayé de se procurer un faux passeport dans le quartier de Chelsea. Intéressant. Vous avez mis une surveillance. Et je suis certain qu'il va bientôt leur passer un coup de fil. Maintenez le dispositif, Dionel. L'important, c'est de... Ah oui, comment vous le savez? J'ai du nouveau au sujet des expertises balistiques. Je confirme... L'instinct du chasseur. Demandez-lui de vous le passer quand il est fini. J'aimerais bien avoir votre opinion. Allez, je vous laisse. Qu'est-ce que vous faites? De la désinformation. La cérémonie pour votre père a été très importante. Je vous remercie. Ça va? Tu arrives à te concentrer sur l'enquête? C'est difficile de répondre à cette question-là. Je fais ce que je peux. Tu pourrais t'accorder un peu de répit? Excuse-moi. Allô? Inspecteur, j'ai un homme qui veut vous parler de toute urgence. J'espère que c'est sérieux. Désolée de vous déranger dans un moment pareil. Je vous passe. Allô? Ici l'inspecteur Ballard. Vous êtes à ma recherche. Ce que vous dites? L'homme que vous cherchez, c'est moi. Ouais, j'ai compris. Je voulais vous dire que cette affaire est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. C'est un peu vague. Je suis au service de la CIA. Mon supérieur direct est celui qui a ordonné l'exécution de Jahar. Il s'appelle Jeremy Collins. Et ce n'est pas moi qui ai tué votre père. C'est vrai? Je peux vous donner des preuves. Venez me retrouver. À quel endroit? À un carrefour de la rue Harrington. Il y a un centre commercial en construction. Oui, je vois aussi. Rendez-vous dans une heure. Une précision, Ballard. N'amenez pas vos collègues. Si je vois un autre flic à part vous, je disparais. Définitivement. D'accord, je viendrai seul. Thank you.
Vous êtes prêt, chef? Là, mamie. Monsieur Braun est malade, alors on nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je t'ai préparé un café. Oh, et j'ai mis tout mon linge sale dans la machine. Je me demande quelle mouche t'a piqué. Et je sais que tu vas à ton club de lecture aujourd'hui, alors je t'ai fait chauffer un friand à la saucisse pour le métro. Je te soupçonne d'avoir fait une très grosse bêtise. Tu n'as pas mis le feu à ton école? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Viens vite, on va être en retard. Émilie! Est au coin de ces deux rues-là. Et la gare est tout près du carrefour suivant. Le train pour Douvres est à 4 heures pile. Et là-bas, il y a tout le temps des bateaux qui partent. Ce qui m'inquiète, c'est que tu sois aussi douée pour ce genre de choses. Prenez cette rue-là pour aller au centre commercial. Et après, sortez de ce côté-là pour rejoindre la gare. Évitez la grande avenue, il y a trop de monde. Bonjour, excusez-moi. Comment fait-on pour se rendre à ce carrefour? Écoute-moi attentivement. Si dans une heure, tu n'as toujours pas de mes nouvelles, tu prends ton ordinateur et tu l'apportes au commissariat. Tu demandes l'inspecteur Ballard, c'est une femme. L'inspecteur Ballard, tu te souviendras? Ouais. Et tu lui fais écouter le fichier MP3 que j'ai recopié. Je me souviendrai. Je compte sur toi. Je sais toujours pas comment vous vous appelez. Je m'appelle James. Alors, vous avez la preuve sur vous? Ouais. Pas de panique. Qu'est-ce que c'est? Une longue liste d'exécutions pour la CIA, ordonnée par Collins. Je crois que vous auriez tout intérêt à me suivre maintenant. Arrêtez de fuir. Ce que je vous ai donné devrait vous suffire. Non, monsieur Dial, ça ne va pas me suffire. Ne bougez plus, restez où vous êtes.
rester là. Attendez. Rendez-moi mon arme. Personne!
Winston, attention, prépare-toi à avoir le choc de ta vie. Je suis sûr que tu vas le reconnaître. J'aurais jamais imaginé un truc pareil. Là, ça change tout. Dépêche-toi de m'imprimer une photo de ce type, s'il te plaît. On est tous les deux piégés, James. Ça me rappelle un peu la Croatie. Tu te souviens? C'était chaud. Cette fois-là, on a bien failli y rester. Échec, tu es mort, tu connais la règle. On applique le protocole habituel. Pas sur cette mission-là.
Je voudrais quand même te dire quelque chose. Malgré ce que j'ai fait, ne crois pas que je t'ai trahi. Dans cette histoire, j'avais rien contre toi. Je sais. C'est le boulot. Regarde cette photo. C'est Collins qui a assassiné. Je suis au courant. Tiens, cache ça quelque part. Vous avez une nouvelle blessure à chaque fois que je vous revois. Oui, les gens ont tendance à me prendre pour une cible ambulante. Ouais. J'ai décidé de partir avec vous. Non. J'apportais un sac avec toutes mes affaires. Non, c'est impossible que je t'emmène. Tu peux pas partir comme ça. Mais si. Ici, tu as tes racines. Tu peux pas tout quitter. Réfléchis un peu. Je vous en prie. La vie. C'est mon meilleur ami. Attends.
Mais non, pourquoi tu dis ça? Mais si, j'aimerais bien y aller. C'est samedi? D'accord. Moi, je vais en parler à Sarah. Je suis presque sûre que je pourrais venir. Émilie! Je dois raccrocher. Au revoir. Tu as vu? Tu as reçu une lettre. Une lettre de qui? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle vient d'Amérique, je crois. Ma chère Émilie, j'ai l'intention de libérer Beauty, le cheval dont je t'ai parlé. Tu auras peut-être envie de venir m'aider. Voilà donc deux billets d'avion, un pour toi et un pour ta grand-mère. J'espère te revoir bientôt. Nous t'attendons.